John se prépare pour sauter à l'élastique du haut de ce pont. Attention. Oui, oui, Romy panique pour lui. Mais tout va bien se passer. Allez, John. 3, 2, 1. Welcome, bienvenue à San Francisco. Alors, ça a toujours été un rêve pour moi. Moi, je suis dans le monde de la tech. Mon cœur, c'est San Francisco, c'est pas Silicon Valley. Alors, on a toujours rêvé de venir à San Francisco. Mais là, plus précisément, on est venu parce qu'on a été invité par Udemy. Alors, je vais expliquer vite fait c'est quoi Udemy. Udemy, c'est un site de cours en ligne. Et justement, j'ai des cours de développement web sur Udemy qui cartonnent. D'ailleurs, c'est ça qui nous permet, entre autres, de pouvoir vivre cette vie et de vivre autour du monde. Il vient de parler de moi. Donc Udemy, ils font une fois tous les ans des conférences comme ça dans différents endroits dans le monde. Et là, leur conférence, elle est à San Francisco. Tu rencontres des formateurs qui ont des fois 1 million ou plus d'étudiants et c'était génial. Et ensuite, on a décidé de continuer sur San Francisco justement pour visiter un peu plus San Francisco. Moi, ce que j'aime aux États-Unis, je me répète encore une fois, c'est que je me sens dans les films. Tous les films qu'on voit où quelque part on a vu ces images, ces décors, et ben là on les voit en vrai, on est dedans. Et c'est génial. Bienvenue dans Lombard Street. On est des touristes. Et quand on est des touristes, qu'on fait à San Francisco? Eh ben on roule dans la rue Lombard. Voilà. Et voilà. Parce que la rue Lombard, elle est spéciale. Elle fait des zigzags. Voilà. Donc comme tous les touristes, on descend tout doucement cette rue bien pentue. Oui, Romy? On aura fait le check de la rue Lombard. Ça fait un Z, tu dis? Oui, oui. Et toi, tu dis ça fait un Z ou un K? Moi, j'ai dit ça fait un K. Un V? Oui, un V. Un W? Un W. Eh ben non, un Z. Romy, elle le savait. Tu savais ça, Romy? Eh oui, elle savait que ça fait un Z. Romy qui se balade sur le campus de Stanford. Romy! Docteur Meryl va faire la roue. Vas-y. Pas mal. Pas mal. Maintenant le salto. I wish I was better. Ouais, c'est pas vraiment ça. Everything I have ever tried and failed to be. On est dans un super petit espace pour enfants. Comment on dit ça? Un super parc pour enfants. Avec un toboggan géant. Étoiles. Romy qui court après les oiseaux. Voilà, petit après-midi au parc. Romy, elle a senti que ça devenait difficile. Elle a préféré rebrousser chemin. Bah alors, Liam, coucou! Hé, hey Romy, t'es coincée? Romy! Fais coucou à son frère. Vas-y! Oh là là! Tu la balances. C'est comme ça que tu balances ta terre? C'est pas comme ça, Liam. Vas-y, Romy, fais le tour, fais le bruit des billes. Voilà, ça défoule, hein. Allez, défoulez-vous. Allez, exprimez-vous, les enfants. Lâchez-vous. On s'exprime, on se lâche. On fait les foufous.
but du jeu, c'est de trouver Liam. Où est Liam? Dans un bout avec un mètre de la chantilly. Bah alors Liam, tu sais pas manger? Tu sais pas bidier ou quoi? Mais mange! Bidier ou quoi? Tiens bien, regarde ce que je peux faire. Oh, c'est bon? Vas-y, allez. On continue? Et un endroit que tu es obligé de voir quand tu vas à San Francisco, c'est le Golden Gate, qui est le pont, le fameux le pont rouge. Rouge. Donc, en bon touriste, on a pris notre voiture et à chaque fois, on allait dans un des endroits pour voir le Golden Gate avec un angle un peu différent. Voilà. Il y a du brouillard, donc on voit pas bien, mais on est sur le pont. Ouais! Le Golden Gate, le fameux. Ouais, parce que les nuages ils viennent en bas et le pont il est haut. Et t'as vu comment on il est dans gros? Les nuages. Ouais. Il y a un peu de brouillard tout en haut. On est bientôt sur le pont. On est sur le pont. On est sur le pont. Et Romy, tu savais qu'il s'appelle le Golden Gate? Voilà, dans notre recherche de trouver un bon endroit pour voir le pont, on s'est retrouvé ici, sur cette plage, à Mile Rock Beach. Et moi, je suis monté sur un rocher assez haut. Il y a la mer. Et apparemment, la spécialité de cette plage, c'est des petits châteaux de pierre comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Allez, vas-y, une de plus. Bravo! Et il y a un endroit assez rigolo à San Francisco, c'est le Pier 39. Je dis rigolo parce que ben, t'es pas habitué à voir ça. Tu vois des phoques, c'est des phoques ou des otaries? Non, des phoques, je crois. Il y en a qui sont très gros, il y en a qui sont plus petits. C'est qui sont comme ça, affalés sur les alors, bords de la mer. Voilà. On se balade dans l'endroit, on achète à manger et tout ça, et on se balade et tout le monde regarde justement ces phoques et tout. Les phoques à San Francisco, au Pier 39. Quand il va monter, regarde, il va monter. Hop. Vous voyez comment il est monté? Hop. Il a eu quand même tombé. Ils sont bruyants, hein. Hop. Comment il est monté? Et il redescend. Il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. Je gratte, ouais. Attends, tu dis pouce. Sometimes it just so feels right in your life. Regarde celui-là comment il va monter. Hop. Ils ont des activités assez rigolotes à San Francisco. On a assisté, attention, au championnat du monde de surf pour chiens. Voilà les chiens qui font du surf. T'as vu les chiens? C'est un événement mondial.
toute cette ville et cette ambiance urbaine, on manquait un peu quand même d'adrénaline. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est organisé un saut à l'élastique. D'ailleurs, on a rencontré des amis à nous, Johan et Marco, et on les a greffés justement à ce saut à l'élastique. On est dans la voiture. On est en train de suivre en fait une voiture dans un endroit un peu... C'est l'aventure. Ah voilà le pont. Un peu bizarre. Voilà. Oh là là. On s'apprête à sauter d'un pont en saut à l'élastique. Et voilà notre pont. Oh, truc de ouf, on va sauter. Parce que vous êtes chaud. Ouais. Oh, vous êtes chaud. John se prépare pour sauter à l'élastique du haut de ce pont. Attention. Oui, Romy panique pour lui. Mais tout va bien se passer. Allez John. Allez chérie. 3, 2, 1. Yo, tes impressions à chaud? C'est la folie. Attention, maman elle s'apprête à sauter. Liam, t'es prêt à voir maman sauter? Oui. Romy, toi aussi t'es prête? Oui. Attention, maman elle va sauter du pont. Voilà, c'est Meryl qui se prépare à y aller. Elle monte sur le pont. C'est Taïeb, ils n'ont peur de rien. Ready? Here we go, we're gonna count you down. 5, 4, 3, 2, 1, go! Je sais pas pourquoi elle est mouillée, je crois que c'est la peur. Voilà, c'est fini pour San Francisco. Prochaine destination. On reste encore dans les environs de San Francisco, mais on va dans la Silicon Valley. Eh oui. Bye bye. Et bisous.